dans ce nouveau vlog, je sais ma coiffure est très 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 bizarre. Je viens de me coiffer pour faire plaisir à Mila tout simplement parce que je sais qu'elle aime bien que je fasse des espèces de couettes et de biquettes dans mes cheveux, voilà. Alex est parti la rechercher à l'école, elle va arriver à mon avis dans 5 minutes. On va manger et ensuite on va tourner une vidéo que du coup logiquement vous aurez vu ce midi parce que j'aurai posté à ce moment-là aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir en fin de vidéo. Je vous mettrai le lien dans le i, n'oubliez pas à la fin de ce vlog. Je vous mettrai le lien dans le i. Et donc ce que je m'apprête à tourner, que vous aurez vu ou pas, c'est une vidéo Mila me maquille tout simplement, ma petite fille me maquille, je sais pas encore comment je l'aurais appelée à l'heure où je vous parle maintenant, mais ça fait un moment que je dis à Mila qu'on va la faire cette vidéo, et ça fait un moment que vous me la demandez, genre ça fait je sais pas, ça fait un an que vous me demandez de faire cette vidéo, mais Mila était trop petite, sauf que là maintenant chaque fois que je me maquille elle prend les trucs, elle fait semblant de se maquiller etc, et de temps en temps elle me demande carrément maman est-ce que je peux te le mettre etc, donc je me dis que ça peut être très drôle de filmer ça et on va bien voir ce que ça donne, en tout cas vous l'aurez déjà vu, voilà. Par la même occasion, je remercie la personne qui m'a offert ces fleurs. Je te fais un gros bisou, je me rappelle très bien de toi. Et elles sont trop jolies, voilà, c'était au petit meet-up d'OVS. C'était pas un meet-up, mais c'était à la rencontre à OVS. Et elles sont trop belles. Du coup, j'essaie de les garder un max, voilà, en bon état. Je les mets pas trop au soleil, je leur donne bien à boire, etc. Enfin bref. Bon, vidéo faite. Alors, c'était chouette. T'as bien aimé? Elle était toute triste qu'on ait déjà fini parce que ça, bah ça va vite hein, de faire un maquillage comme Mila. Alex est en train de couper les haies devant chez nous parce que franchement on dirait une maison abandonnée tellement les haies elles ressemblent à rien. Et du coup il va essayer de couper ça comme il peut. Voilà, on va voir s'il y arrive. Regardez le magnolia comment il est au taquet maintenant, c'est canon. C'est trop beau. J'aime trop trop trop. Cet enfant veut faire un tour de tracteur. Bon, on a une surprise. Il y a un papillon. Il y a ma mère qui vient d'arriver, qui nous a fait la surprise. Je savais pas qu'elle venait. Et elle est venue avec Charlie en plus. Il est en train de courir. C'est la première fois que je vois courir dans le jardin. Avant, il sortait pas comme ça. Parce qu'on a toujours peur qu'il se sauve. Et là, il est complètement dingue dans le jardin. Doucement, Mila, doucement. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fast, fast, going hard in the pit, yeah. Yeah, I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Bon, il m'a dit qu'il avait galéré parce qu'en fait, ils ont pas été coupés depuis plusieurs années et ils sont pleins de trous, vous voyez. Bah, du coup, ça va repousser. À mon avis, la prochaine fois sera un peu plus joli. C'est quand même mieux. Bon, on vient d'arriver au resto. Cette lumière est horrible. On est au Fingal, ok noir. C'est Mila qui t'a maquillée comme ça? Je me suis démaquillée quand même. T'as raté ça. Alex n'a pas vu encore. Alex va le voir en vidéo comme vous. C'est des trucs qu'on va pas goûter. Non mais franchement, moi j'aime pas la bière, mais celle de ma mère elle a l'air trop bonne. C'est quoi comme bière? Leafman's Fritters. Ah, c'est une bière aux fruits. Ok, vous êtes pas doué franchement, mais ça par contre, bah, enfin les trucs ambrés, machin, bah, merde. Infect, immonde. T'as de la bière sur le nez parce que t'as un nez trop long et que ça tremble dans la mousse. Elle est bonne, elle est fraîche. J'ai pris un œuf cocotte au saumon. Bon, ma mère a pris le poisson du jour et nous on a pris des burgers comme d'habitude. Voilà. Et puis Mila elle va dans une assiette spéciale parce qu'en fait elle mange jamais rien quand on vient ici. C'est tous des plats un peu cuisinés et tout ça. Mila elle aime bien aller au resto pour avoir des nuggets de poulet, ce genre de truc, vous voyez le truc. Donc on lui donne un petit peu chacun de notre assiette. Oui, elle va manger ce qu'on lui a mis bien sûr. Bon, je vous reprends de la maison beaucoup plus tard. Je sais pas quelle heure il est, je sais pas si j'ai mon téléphone. Est-ce que je l'ai pris? Oui. Hop.
Ça fait un moment qu'on est rentré, Mila est au dodo depuis qu'on est rentré et là il est 22h mais je devais finir le montage de la vidéo du coup que j'ai filmé ce matin pour pouvoir vous la poster pour vous aujourd'hui et pour moi demain. Voilà, bon bref. Alors j'ai ouvert des colis que j'ai reçus, un truc que j'ai commandé chez Vera Baudet et les autres choses c'est des choses que j'ai reçues à ma boîte postale. Je savais pas que j'allais recevoir ça. J'ai donc reçu deux colis différents qui viennent de deux personnes différentes, donc là c'est très logique, qui font du handmade, donc du fait main, et j'aimerais trouver les noms parce que j'ai reçu à chaque fois des petites lettres, des petits mots, et à chaque fois c'est des gens qui me suivent en fait sur les réseaux sociaux et qui ont envie de nous envoyer quelque chose pour Mila. C'est trop gentil franchement et c'est tellement beau ce que j'ai reçu, vraiment j'ai le coup de cœur pour tout ce que vous m'avez envoyé, c'est magnifique. Donc on va commencer par la boutique qui s'appelle Les Petits Doigts Colorés. Voilà, elle réalise des accessoires et des articles de décoration pour enfants. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Comment c'est canon. Regardez-moi ça, cette beauté. Franchement, je sais pas si vous voyez la qualité de cette peluche, je sais pas trop comment on peut l'appeler, de ce doudou. Elle est magnifique, vraiment. Jusque dans les moindres détails, c'est magnifique. J'ai ouvert le colis juste en rentrant et du coup, Mila l'a vu. Elle l'a adoré, elle a flashé dessus, elle était trop contente. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des choses comme ça, eux-mêmes, avec leurs mains, quoi, tout simplement. Parce que je sais le temps que ça prend, les heures que ça prend et puis la patience qu'il faut pour faire des choses aussi jolies, d'aussi belle qualité, etc. En tout cas, c'est vraiment très très beau. Sache qu'on a toutes les deux adoré, c'est magnifique. Je ne sais pas si tu as une boutique. Ah oui, du coup, tu es sur Facebook et tu as aussi une boutique et tu es belge en plus. C'est vrai, j'ai vu ton adresse sur le colis. Merci beaucoup à toi en tout cas et je mettrai tes infos en barre d'infos pour les personnes que ça intéresse. N'hésitez pas à aller checker. Alors deuxième chose que j'ai reçue, handmade, toujours fait main, c'est Nina Créa. Voilà, ninacrea.com, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook. Encore une fois, je mettrai ces infos en barre d'infos. Alors c'est magnifique, là pour le coup c'est des vêtements sublimes. Vous ouvrez le colis et vous voyez ça et vous faites mais waouh. C'est une petite, enfin une petite blouse, c'est une très très jolie blouse, je la mets sur moi pour que vous voyez un peu. Et je ferai sûrement une petite photo à Mila avec tout ça un de ces jours. Franchement c'est tellement beau, c'est vraiment très très joli avec la petite, petite truc comme ça. Et puis ça c'est super joli aussi, c'est vraiment le genre de truc que j'adore mettre à Mila. C'est une, enfin j'appelle ça une barboteuse, voilà. C'est bah là, les mains, enfin les bras là-dedans. Et puis en dessous c'est un espèce de... Voilà, c'est une espèce de culotte comme ça. C'est très beau pour l'été, c'est vraiment magnifique avec des petites sandales, j'adore. C'est vraiment mon délire quoi, voilà. Je cadre n'importe comment. Bon bref, merci beaucoup à vous les filles, c'est super sympa et vous faites un boulot magnifique, il n'y a rien à dire. Alors, ma petite commande de chez Vera Baudet, je lui ai commandé un petit chapeau comme ça. Trop joli, je sais plus comment ça s'appelle ces chapeaux. Et celui-ci j'ai flashé dessus parce qu'il y a la petite bordure en fleurs. Et je n'avais pas de chapeau de soleil comme ça pour Mila, vraiment droit, vous voyez un peu à la provençale. Je trouve ça magnifique, c'est un coup de cœur. Oh j'ai oublié les sandales. C'est le truc, vous allez voir les sandales, genre j'en ai jamais vu des aussi jolies pour les enfants. Bref, je lui ai pris cette combi encore une fois. Donc barboteuse, combi, appelez ça comme vous voulez. Du coup c'est avec les petites manches ouvertes, elle en a déjà une ou deux dans le genre. À chaque fois vous me demandez d'où ça vient, mais sachez que celle-ci vient de chez Vera Baudet, elle est très belle aussi. Et voilà, c'est en bas c'est un peu short comme ça. C'est hyper hyper joli et du coup il faut trop que je vous montre, je les ai oubliées dans le salon je pense. Il faut trop que je vous montre les sandales parce que c'est juste une tuerie. Tadam, regardez-moi ça comment elles sont magnifiques. Oh, je les aime trop, je les aime tellement. Elles sont sublimes, elles sont juste magnifiques, je les adore. Bon sur ce les amis, je vais vous laisser maintenant parce que je suis fatiguée et que j'ai du mal de... Je ne sais pas de me remettre de quoi mais en tout cas j'ai du mal, ça c'est sûr. Parlons de mes cheveux, 4 secondes, ça pousse, un truc de malade. Il y a un truc qui commence à m'inquiéter de plus en plus, c'est que j'ai l'impression que j'ai plein de cheveux... Enfin mes cheveux naturels je les ai pas vus depuis des années. Ça fait genre, je sais pas, ça doit faire presque 10 ans que je me décolore les cheveux en blond vénitien, en tout ce que vous voulez. Mais mes cheveux naturels, ça fait voilà, ça fait 10 ans que je les ai pas vus. Et j'ai l'impression quand même, très fortement,
que j'ai des mèches qui ne sont pas, qui ne sont plus brunes, hein. Non? Alex est à côté de moi. J'ai pas des cheveux blancs? Je pense pas. Alex, il me dit non, c'est parce que t'as des cheveux qui poussent plus vite que d'autres et il y en a qui, du coup, ont pas encore poussé, mais quand même, de là avoir 4 cm de racines et avoir des cheveux blancs en racines, je suis pas sûre, moi. Non, ils sont pas blancs en racines, mais t'as des cheveux qui ont poussé d'un centimètre et d'autres. C'est bizarre. Si jamais elle a des cheveux blancs, je vais pouvoir me foutre de sa poire parce que bah, c'est la première à se moquer de tu mes cheveux blancs. Tu sais pas, t'as des luluches roses là, je sais pas ce que t'as fait. Ah non, mais Alex, c'est une catastrophe. Franchement, regardez. Attendez, je vous fais un gros plan. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, c'est oufissime, toi. Fais la maline. Fais la maline, on va se voir quand tes cheveux vont repousser. Ouais, c'est ça. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain. Faites les malins. Faites les malins.